Après un début de saison plutôt difficile la saison passée, l'AS Béziers Hérault ne voulait pas se rater pour son premier match de la saison 2017-2018 au stade de la Méditerranée. Face aux Bretons de Vannes, Béziers veut vite trouver le bon tempo. Mais pourtant, ce sont les Bretons les premiers en action. Dès les premières minutes, Vannes met véritablement la main sur le ballon. Après un lancer en touche de Blanchard, les Bretons récupèrent le ballon et avancent dans la défense biterroise. Premier point de fixation, Payen sert Vossavaille. Vossavaille qui avance sur les 22 mètres. Derrière ce regroupement, Payen sert Boutier. Boutier pour Moureau. Moureau qui prend l'intervalle et sert Junchistera, son ailier, à Gwenaël Duplaine pour le premier essai du match. Un essai dès la quatrième minute qui permet à Vannes de mener à 5 à 0 sur la pelouse de Béziers, puis à 7 à 0 après la transformation de Christopher Hilsenbeck. Rapidement, les Vannetais inscrivent une nouvelle pénalité par l'ancien Columérin Hilsenbeck. Et à la 11e minute, Vannes mène 10 à 0 sur la pelouse de Béziers. En mode diesel, les Biterrois reviennent petit à petit dans le match grâce à la précision de leur ouvreur Lachlan Munro. L'ouvreur enquille une première pénalité à la 14e, puis une deuxième à la 30e, décalée sur le côté droit de l'attaque biterroise. Et il vient ajouter une nouvelle pénalité juste avant la pause, à la 39e minute. 3 sur 3 en première mi-temps pour le botteur néo-zélandais. Cela permet à Béziers de recoller juste avant la pause, malgré un début de match chaotique, 9 à 10 à la mi-temps. Les Biterrois sont revenus les premiers sur la pelouse pour la deuxième mi-temps. Pavés de bonnes intentions, ils veulent mettre du rythme et cela va vite se voir. Conséquence, ils poussent Vannes à la faute. Carton jaune pour Manoa Vossavaille pour un plaquage illicite à la 42e minute. Puis carton jaune pour le deuxième ligne Carvin Jones à la 51e. En supériorité numérique, l'AS Béziers Hérault utilise sa force, organise un groupe pénétrant et celui-ci vient perforer à la défense bretonne pour un essai signé Jean-Baptiste Barrère. Lachlan Munro transforme cet essai et Béziers passe pour la première fois devant au tableau d'affichage 16 à 10. Mais le club héraultais se met aussi à la faute. Après plusieurs mêlées pénalisées, le pilier Vitolio Manukula récolte un carton jaune. Et la cinquième mêlée pénalisée est synonyme d'un essai de pénalité sifflé par l'arbitre de la rencontre, François Bouzac. Comme le veulent les nouvelles dispositions, il est automatiquement transformé d'office. Comme Hilsenbeck enchaîne et enquille une nouvelle pénalité, Vannes repasse devant. 16-20. Le buteur a changé côté ASBH, mais il reste précis. Thibaut Suchier ramène Béziers à une longueur de Vannes, 19-20. Et le chassé-croisé continue puisqu'il permet au Biterrois de redoubler Vannes par une pénalité excentrée sur la droite du terrain. Les Biterrois sont donc légèrement devant dans la dernière ligne droite, mais vient alors le tournant du match. Sur une action plutôt défensive des joueurs de Béziers, ils doivent se sortir de leur camp. Julien Blanc alerte Thibaut Suchier qui monte une grande chandelle dans le ciel du stade de la Méditerranée. Elle retombe sur Hilsenbeck qui se rate un peu. Le ballon revient dans les mains de Damignani qui accélère sur la droite fixe et sert Sabri Gmir pour l'essai de la victoire entre les perches. 27 à 20 et comme Suchier transforme, Béziers a creusé un trou irrémédiable, 29-20 et file vers la victoire. Les Bretons ne lâchent rien et veulent repartir avec le bonus défensif. Le Biterrois Dorian Marco Pena récolte un carton jaune et les Vannetais inscrivent un essai collectif autour de Blaise Dumas que transforme Christopher Hilsenbeck. 29-27, score final. Malgré sa mauvaise entame, Béziers a donc réussi à renverser le scénario et s'offre le premier succès de la saison. Vannes se console avec le bonus défensif.